Dans cette émission, nous avons demandé à des artistes de nous parler d'une œuvre inspirante. Inspirante à tel point qu'elle aurait influencé leur manière de créer. Murzo évoque une œuvre de l'artiste américaine Kiki Smith. Andrea Ebner partage sa fascination pour une représentation de la Vierge Marie. Franco Mento explique l'influence du musicien anglais Matthew Herbert dans ses compositions. Virgil Elias Guérig revient sur le film « Les ailes du désir » de Wim Wenders. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit une rivière et la rivière un fleuve et que cette flaque d'eau soit la mer. Vous avez choisi de parler d'un film de Wim Wenders, Les ailes du désir, et particulièrement d'un poème que l'on entend plusieurs fois tout au long de ce long métrage. Pourquoi ? J'avais été intrigué au fait par la voix de ce poème qui commence le film. Peter Handke, l'auteur du poème, a travaillé aussi sur le scénario en collaboration avec Wim Wenders, donc ça fait extrêmement sens, et d'autant plus que le poème est répété. Le poème s'intitule « Chanson d'enfance » et c'est vraiment comme une espèce de ritournelle qui ponctue tout le film. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce que je suis moi ? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas toi ? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce poème en particulier ? Je crois que la poésie en général, mais ce poème aussi, c'est comme une parole profondément présente. J'ai l'impression que, en tant qu'être humain, peut-être que mon expérience est différente de celle des autres, mais qu'on est toujours à moitié présent, on est à moitié là, à moitié là-bas. On parle en habitant à moitié ses paroles, et j'ai vraiment eu cette impression de sentir vraiment que quelque chose se passait. Lorsque l'enfant était enfant, il avait du mal à ingurgiter les épinards, les petits pois, le riz au lait. L'enfant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de vos romans. J'ai une fascination pour l'enfance. J'ai dans la tête une multitude de citations aussi d'auteurs qui parlent de l'enfance. Et je crois que dans la recherche artistique et dans la recherche littéraire, il y a cette envie de retrouver une voie première qu'on aurait peut-être égarée en chemin. Et je suis persuadé au fait que l'enfance, le désir, l'amour et l'art sont profondément imbriqués. Pour tous les conducteurs à destination de l'aéroport, la 9 reste la voie royale. Il est 6h30 à Helvetia et vous écoutez la dernière. On pourrait dire que vous avez une écriture cinématographique. Ce que je verrais de très cinématographique dans mon écriture ou dans ma manière de construire mes romans surtout, c'est cette manière de suivre un narrateur. Au fait, mes romans sont toujours centrés autour d'un narrateur qui traverse un espace, qui croise d'autres personnes, mais c'est souvent des silhouettes un peu vagues, un peu floues, et ça donne souvent l'impression au fait, de travelling ou de plan-séquence comme ça. Dans mes deux romans, les deux personnages et les deux narrateurs traversent un espace urbain dans un taxi, dans les deux cas. Et aussi dans cette scène du taxi qui s'éloigne d'une ville, il y a quelque chose d'assez cinématographique. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver aussi dans votre prochain roman sur lequel vous travaillez en ce moment ? Je pense, oui, je pense vraiment que c'est une patine. Après, on essaye de ne pas ennuyer le lecteur en variant les thématiques, en variant les histoires, mais forcément qu'il y a une patte qui vient de soi. J'avais été aussi fasciné par ça doit être Sauté ou Chabrol qui dit ça. Il dit qu'un film, au fait, c'est qu'un prétexte, un simple prétexte de séquence qui amène à une scène ou à une image. Et on essaye de faire émerger cette image, donc il faut des scènes avant et des scènes après. Et j'ai l'impression que dans mes romans, c'est souvent comme ça. J'ai une ou deux scènes, tout le reste n'est que la préparation pour arriver là, en fait. Les yeux collés contre la vitre, à dérouler la bande de ses destins, à les imaginer, à construire tout un cinéma où je projette ces vies réelles et inconnues, insoupçonnées. Je meuble un peu le temps, comme un enfant qui passe toute une après-midi pluvieuse de ses vacances, bien au chaud dans sa chambre. Still gonna go, why don't you think about it? Girl, I just love it when you
Vous avez vu récemment une œuvre de l'artiste américaine Kiki Smith au Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, et c'est une œuvre qui vous a vraiment marqué. De quelle manière ? Dans le travail de Kiki Smith, il y a un côté rêve, fantasy, et il y a un côté très politique, féministe, dénonciateur. Et c'est plutôt cet aspect-là que j'aime chez elle. C'est ce que j'aime faire dans mon travail aussi. C'est cette confrontation à une problématique sociale. Et cette œuvre-là, qui date de 1990, traite des années SIDA dans les années 80. Et puis c'est quoi qui vous a inspiré précisément alors dans cette œuvre-là ? Dans la forme, c'est l'utilisation du papier un peu translucide pour donner cet effet peau, faire ces sculptures de corps qui sont suspendues. Donc là, j'ai commandé un papier spécial, c'est un papier calque qui vient du Japon, qui est fait à la main et qui est un peu translucide. Il ne tient pas très bien le fusain. Il n'est pas vraiment fait pour le dessin. Du coup, j'essaye d'être un peu moins rigide avec les traits et la précision. Et j'essaye justement de montrer cette dimension du corps, de la peau, par le dessin et sa transparence, plutôt que par la précision des ombres et de la lumière. Et cette idée-là, elle vous est venue quand vous visitiez l'exposition ? Oui, parce que Kiki Smith, elle bosse beaucoup avec ces papiers translucides, très fragiles. C'est un travail, une série que j'ai commencé en 2017, que je continue à développer. C'est une série sur le consentement du modèle notamment. Donc là, j'ai photographié Noémie Schmidt et je lui ai demandé de faire ce qu'elle voulait, quoi. C'est elle qui reprend le pouvoir total sur son image et c'est ça que je trouve intéressant. Am I fooling myself? Maybe I need to. Au cœur de votre travail, l'humain. Pourquoi, en fait ? Mais je crois qu'à la base, même quand j'étais petite, je dessinais beaucoup l'humain. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, j'ai toujours été timide, et puis ça me permet de l'analyser, de le comprendre, de le dessiner. Et puis pourquoi, alors, la technique que vous utilisez, le fusain, le graphite et l'aspect réaliste ? C'est une obsession de faire apparaître la personne, vraiment. Telle qu'elle est réellement. Donc je me sens même proche d'elle quand elle commence à apparaître et puis je tisse comme un lien avec elle. C'est émotionnel aussi comme rapport. Pour moi, je veux qu'elle existe, quoi, qu'elle puisse presque sortir du papier. À Winterthur, aujourd'hui, on vous rencontre ici dans le Lötschental où vous avez passé une grande partie de votre enfance. Et enfant déjà, vous aviez une fascination pour les représentations de Marie et je crois une représentation en particulier dont vous aviez envie de nous parler. Ja, genau. Und zwar ist das die Maria mit brennendem Herz, wo mit meiner Großmama und mit meinem Großpapa daheim ist gsi. Also die ganze Wohnung war voll mit so heiligen Bildern, aber das war so auch das, was ich am meisten immer angeschaut habe. Und auch einfach von der ganzen Stimmung von dem Bild und mit den Farben und die Darstellung von der Maria da, das hat mich schon als kleines Kind irgendwie fasziniert. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen und das ist natürlich als kleines Kind auch faszinierend, die ganzen Bilder. Es ist ja alles sehr extrem dargestellt. Fascination pour les représentations de Marie, mais aussi pour les icônes en général. Mit den Farben und allem, neben der Ikonografie im Allgemeinen, finde ich sehr faszinierend. Und es ist eigentlich sehr weit weg von der Realität. Quelle influence alors sur votre travail d'aujourd'hui? Ein sehr, sehr grosser Einfluss, weil ich mache viel Selbstporträts. Und die sind schon immer auch angelehnt, ein bisschen an die Bilder. Ich tue sehr viel irgendein Fantasiewesen darstellen. Oder es geht viel in das Unantastbare. Das Gefühl irgendwie sieht man, glaube ich, in den meisten Bildern von mir wieder. I...
Dans votre manière elle-même de travailler, on retrouve aussi des gestes anciens, puisque vous travaillez le cyanotype. J'ai commencé avec la cyanotypie, c'est déjà très longtemps. Ich glaube, ich war 16, 17 und ich finde das sehr wichtig und auch sehr schön, dass man analog dort arbeiten. Und ich finde das auch sehr wertvoll mit so altem Wissen. Ich tue auch experimentieren damit. Also ich tue dann auch Sachen drin mischen, wo eigentlich gar nichts verloren hat. Aber gleich ist es für mich wichtig, ein richtiges Bild zu machen. Also lustigerweise mache ich ja dann wie ein digitales Bild zuerst. Und macht aus dem Digitalen ein analoges Unikat. Und das finde ich sehr schön. Das gibt es nur einmal. Ça, franchement, quand t'es en club ou en festival, Vous allez nous parler d'un artiste anglais qui vous a influencé dans les années 2000, Matthew Herbert. Mm-hmm. C'est sa façon de faire de la musique électro qui vous a vraiment intrigué ou en fait qui vous a surtout plu. C'est surtout qu'à cette période, on avait tendance, la musique électronique, à avoir une espèce de propreté dans la musique. Et lui, il est arrivé comme un fou avec des sons qui n'ont rien à voir, qui ne marchaient pas tout de suite dans le rythme. Et puis, c'est un peu cette folie-là, au fait, qui m'a sauté aux yeux et qui m'a donné l'envie, au fait, de composer de la musique avec des erreurs comme ça. J'aime pas suivre les règles de rythme, donc c'est-à-dire que je vais pas réfléchir tout de suite à un truc qui va droit. C'est quelqu'un que vous avez rencontré? C'est quelqu'un que j'ai rencontré, ouais, que j'ai eu la chance de rencontrer, notamment aussi d'autres musiciens qui travaillaient avec lui. Et c'était assez drôle. J'étais dans tous mes états à l'époque. Lui, il intègre dans sa musique des bruits d'objets aussi du quotidien, c'est ce que vous faites? Alors je le faisais jusqu'à il y a peu de temps, après maintenant j'ai une tendance à utiliser d'autres instruments, mais je le fais toujours. Je le fais toujours, c'est-à-dire que j'ai une règle, c'est de ne pas utiliser des sons qui existent. Donc d'une manière, j'utilise des sons d'objets pour créer non pas un son qu'on va reconnaître, c'est-à-dire un son d'objet, mais pour créer un son qui n'existe pas. De sa musique à lui, de Matthew Herbert, ce qui reste aujourd'hui encore, c'est cette notion plutôt d'accident. Exactement, c'est la surprise. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et c'était ce côté d'improvisation qui me plaisait aussi beaucoup chez lui, quoi. L'accident dans la musique, ça reste un truc intéressant. Parce que souvent, même par exemple dans le DJing, quand on fait une erreur, on a tendance à vite l'enlever. Puis du coup, le public dit « Ah bah... » Voilà, il s'est planté. Tandis que si on assume cette erreur et puis qu'on l'amène jusqu'à un certain point où ça devient vraiment intéressant, c'est là où moi je commence à prendre plaisir justement. J'ai vraiment voulu que ça se tourne en une seule prise, toute la traversée. Vous faites bien plus que de la musique, hein, parce que vous réalisez aussi les vidéoclips. Est-ce que c'est important pour vous de maîtriser tout de A jusqu'à Z? Le fait de le faire seul, enfin de se lancer dans des trucs, dans des projets solo, on n'a pas trop de limites. Et quand on travaille avec des gens, au fait, on a plus tendance à dire bah, peut-être qu'il n'aime pas trop ça, donc je vais me retenir de faire ça. On a une espèce de retenue comme ça quand on travaille avec des gens. Mais c'est vrai que j'aime bien gérer le projet de A à Z. Est-ce que cette notion d'accident, elle se retrouve aussi dans les vidéoclips? Tout d'un coup, on se retrouve à filmer quelque chose, on se rend compte que oh, bah, on a fait une connerie. Et puis, ah bah tiens, c'est drôle ça. Pourquoi pas exploiter cette connerie jusqu'au bout et puis voir si c'est vraiment intéressant. Et
Ouais, je pense que j'essaye d'utiliser ça aussi dans la vidéo, en fait. Mehr Events gibt es in der Kulturagenda auf kulturwallis.ch.